Est-ce que ça qu'on arrive comme haïtien ou poser question vous demander est-ce que tête nous droite comme haïtien? C'est pas qu'on arrive où? L'op gade évolution situation, hein? L'op gade gens insécurité à monter là, l'op gade ça qui a passé là. Est-ce que ça pas qu'on arrive ou poser question vous demander est-ce que tête nous droite nous les haïtiens? Il y a quelques mois de cela, Victor Généus, notre chargé d'affaires, monsieur sous podium Nations Unies, il te dit tout est globalement sous contrôle. Quelques temps après, ce même Victor Généus, monsieur dit les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Mercredi 21 décembre, monsieur dit toujours sous même podium Nations Unies, monsieur dit pour ça qu'a passé là en Haïti, c'est vrai qu'on plus ou moins contrôle activité ou plus ou moins reprendre, mais c'est pas la police qui a géré bagaille vrai, c'est gang yo qui décide yo même yo fermé à culpa. Là, il dit vrai. Donc de tout est globalement sous contrôle, passé par les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent pour arriver kounya la montrer incapacité et faiblesse la police. OK. Ça c'est pour Victor Généus. Maintenant, nous connaissons Ariel Henry avec un groupe moun, Yoshita, yo prend une résolution, dans quatre résolutions ça, yo arrivé entendre pour que yo choisi moun pour représenter ou bien qui pour on dit figurer dans liste moun qui pourra faire partie de conseil transitoire. Écoutez. Gon côté ou ta de bat bravo pour initiative ça. Bémol qui capable gagner, c'est l'op garder type de moun qui derrière initiative ça. C'est André Michel, c'est Ariel Henry, c'est Marjorie Michel, ce même Ariel Henry qui prend qui roule dans farine depuis quelque temps. Donc dans tête ou a dit pas gagner de très sérieux le capoter, mais comprendre. Gon groupe de moun qui a critiquer initiative ça, moi même pas ouais pour qui et moi vais expliquer qui ça me l'a dit. Bonjour bonsoir tout le monde. On content ensemble avec vous. Ça fait un pile plaisir montrer la caillou nous va faire petit causer gens nous toujours habitué faire. C'est rôle nous, c'est mission nous, c'est devoir nous pour nous causer, parler, discuter. Pour nous porter toute information bas où exactement j'ai la passé. Au compte channel là déjà et pour vous lier, pas vrai? Haïti réflexion. Et puis c'est frère Wizami, mon partenaire, Esdras Fizeme. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Nous avons détaillé tout point ça pour ak divers les autres. Parce que situation en général là, nous obligés de parler, nous devons parler et c'est notre mission de parler. Restez là, nous avons tourné. Namande ya ou même qui poko abonné, nous invitons à faire ça kounya, OK, activer cloche notification donc abonné pour qu'a toujours été connecté parce que gen pile bagay ki pral di et gen bagay ki di déjà et gen bagay ki pral di nan jou yo ou pa ka permettre tête ou doigt ça pour rater. Et ça fait m'a invité kounya la même activer cloche notification donc abonné pour qu'a toujours été connecté. Mesdames messieurs, nous dit parfois moi-même comme haïtien qu'on a demandé qui ça nous voulait ou est-ce que nous définit ça nous voulait directement et ça nous arrive, ça arrive dans notre histoire et on même ba nous des anecdotes côté nèg la vie ni l'aldé on bouette prêté li rivé kaye moun nan le parler et puis on l'autre même dit paraît li dit voisin on bouette tu me devin mande prêté là et puis on nik bal bouette là et laisse ça moun n'a songé lui même c'est bouette tout le devin mande prêté mais tellement parler pas dit l'essentiel des fois m'a demandé est-ce que nous comprenons ça nous voulons? Est-ce que nous définissons ça nous voulons? Victor Généus, sous podium Nations Unies, monsieur, te roulé dans farine. Monsieur, te, quand elle te dit tout le monde, gouvernement a entier contrôle, ça qui passé là sous territoire là. Tout est globalement sous contrôle. Il a eu le culot de le dire. Et là, tout le monde parti à bot, monsieur. Et là, monsieur se sentit vraiment, par contre, ses oreilles, il y aurait allé assez. Là, monsieur tourné. Monsieur dit, les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Devant le Conseil ONU, 21 décembre 2022, parce que le Conseil de sécurité ONU est réuni, toujours sur la situation dégradante d'Haïti. Ils ont été réunis pour connaître exactement qui ça a fait. Est-ce qu'il y a voyé une force militaire en Haïti? Qui ça a fait exactement? Victor Généus fait déclaration que moi il faut attendre là. Nous a dit ça qui a passé là en Haïti, même si nous ouais, activité yo plus ou moins reprendre gaz là tout monde qui contrôle pas occupé, mais c'est dit c'est pas ni la police, c'est pas ni gouvernement. C'est bandi qui décide de leur gré, yo font camper. Oui, ça le dit c'est correct. Mais kounya là. Moi même sincèrement gen moun partager moi men en place yo. Je ne vais pas me trouver dans la place Victor Généus. Je suis sérieux.
Moi pas ta jamais me trouver dans même situation avec Victor Généus devant le Conseil de sécurité de la Nations Unies ou encore des Nations Unies pour monsieur camper pour la parler de la situation d'Haïti. Pour je situation est là, pour je bagarre la grave là, pour monsieur camper la peine réalité ça. C'est bagarre qui difficile lui. Monsieur dit ça qu'a fait là et pas l'état qui contrôle lui. C'est pas la police vrai, c'est bandi qui décide à leur gré qui mettait fin à ça là. Danger pour le Brésil, c'est pas ça. Entendez Victor Généus. Le début de reprise des activités ne constitue pas une conséquence directe des opérations menées par les forces de l'ordre. Les gangs ont ralenti leurs activités dans certains points, mais continuent à terroriser la population dans d'autres. Les assassinats, viols, enlèvements, détournements de camions de marchandises continuent. De la communauté de Cabaret, localité située à 32 km de la capitale, 12 paisibles citoyens ont été massacrés dans l'espace d'une soirée et une dizaine de maisons incendiées. À Petite Rivière de l'Artibonite, plus de 10 000 personnes ont dû fuir leur lieu de résidence selon la direction de la protection civile. Il y a deux semaines, le directeur de l'académie de police a été lâchement abattu par des bandits armés. Près d'une soixantaine d'agents de police ont subi le même sort depuis le début de l'année. Un leader de parti politique activement impliqué dans la recherche d'un accord politique inclusif a été sauvagement assassiné. Je trouve donc étonnant qu'on puisse, dans cette enceinte, faire le marketing et la promotion de gangs qui tuent, assassinent. Et ce n'est pas en faisant la promotion des gangs armés qu'on arrivera à étouffer les cris de détresse du peuple haïtien, ni sa volonté de mettre fin à ce cauchemar. Madame la Présidente, le pays vit sous la menace d'une crise humanitaire qui plonge la moitié de la population dans l'insécurité alimentaire, soit environ 4,5 millions de personnes. Cette situation est due à des causes structurelles qui ont été considérablement aggravées du fait du blocage des routes et des vols et des détournements de camions transportant les denrées vers les villes et actions menées par des gangs armés. Les effets de l'action des gangs se traduisent aussi par une inflation galopante qui rend les quelques denrées disponibles inabordables pour les populations vivant une certaine précarité. Ce phénomène est amplifié par la prise en otage de l'entrée nord de la capitale qui rend inaccessible le port à conteneurs de Lafito où sont bloqués près de 3000 conteneurs de produits alimentaires et pharmaceutiques ainsi que des matières premières pour des usines d'assemblage. Certains produits commencent à manquer et les prix s'envolent du fait de la rareté. L'unique usine de fabrication de farine de blé est à l'arrêt depuis plusieurs mois parce qu'elle a été sabotée par les gangs. Il en va de même de la cimenterie nationale qui se trouve dans la même zone industrielle. Une grave crise sanitaire effrayante et inattendue causée par la résurgence du choléra évolue à une vitesse exponentielle avec un nombre élevé de victimes. Une véritable menace de santé publique pour le pays et en particulier la région en général. Un rapport récent du ministère de la Santé publique fait état au 18 décembre 2022 de 17 629 cas suspects, 14 972 cas hospitalisés et 316 décès. Il est à souligner que les enfants de 1 à 4 ans sont les plus touchés, suivis par le groupe d'âge entre 20 et 29 ans. Cette maladie qui s'est déclarée dans deux quartiers défavorisés de la capitale touche actuellement tous les départements
à l'exception du Nord-Est. Je saisis l'occasion pour exprimer la gratitude du peuple haïtien pour le support d'urgence fourni par les pays amis au ministère de la Santé publique pour contenir la propagation de cette maladie. Madame la Présidente, le peuple haïtien apprécie la décision unanime du Conseil de sécurité de sanctionner certains acteurs importants qui, de près ou de loin, contribuaient à alimenter l'instabilité politique à travers leur soutien apporté aux gangs armés. Ceci a un impact certain dans le contexte actuel et devrait contribuer à faciliter le dialogue interhaïtien et l'adhésion à un compromis national susceptible de nous conduire vers des élections générales en 2023. L'application des sanctions permettra d'éviter l'injection de l'argent sale dans le processus électoral. Il permettra également de réduire la capacité des promoteurs de la violence à s'approvisionner en armes et en munitions. Madame la Présidente, l'insécurité demeure une priorité et une urgence pour le peuple haïtien qui a assez souffert de la crise multidimensionnelle qui ronge le pays. Sans la création d'un environnement sécuritaire adéquat, il est illusoire de penser que l'on pourra sortir durablement de la crise. Les données qui avaient poussé le gouvernement haïtien à solliciter l'assistance d'une force spécialisée pour accompagner la police nationale dans sa lutte pour éradiquer ou tout au moins contenir le phénomène des gangs armés, restaurer l'ordre et imposer le respect de la règle de droit sur l'ensemble du territoire, ces données, dis-je, n'ont pas beaucoup changé. Leur capacité de nuisance est restée quasiment intacte et ils ont la possibilité de reprendre leurs exactions quand ils veulent. Il est urgent que les amis d'Haïti apportent cette assistance qui, si elle est suffisamment robuste, peut aider la police nationale à venir à bout du phénomène des gangs armés. Il faut aussi savoir que le peuple haïtien, dans son immense majorité, est favorable à l'arrivée de cette assistance, quoi qu'en disent certains qui ne proposent aucune solution alternative. Dépeindre des bandits et criminels qui tuent, violent et séquestrent comme des leaders révolutionnaires et des dirigeants de l'opposition ne correspond tout simplement pas à la réalité. De nombreux rapports émanant d'institutions de défense des droits de la personne, tant nationales qu'internationales, ont démontré la culpabilité indiscutable de ces individus. Vouloir les blanchir et les faire passer pour ceux qui ne le sont pas, c'est rendre un mauvais service à Haïti. Distingués membres du Conseil, Madame la Présidente, le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, a toujours cru que le problème, le dialogue, est le moyen privilégié pour résoudre les problèmes politiques, même les plus complexes. Il a fait tout ce qui était possible en allant vers les divers secteurs de la vie nationale. Cela lui a permis de conclure l'accord du 11 septembre 2021. Qu'à cela ne tienne, il ne s'en est pas contenté parce que, avec l'ensemble du gouvernement, il a voulu tout mettre en œuvre pour élargir le consensus. Beaucoup lui ont reproché d'avoir perdu trop de temps à courtiser les récalcitrants et à chercher à les ramener à la table de négociation. Mais comme il l'a redit il y a 2 jours en recevant les vœux du corps diplomatique et consulaire, il ne regrette pas d'avoir essayé. C'est dans l'unité que le peuple haïtien a pu réaliser des prouesses dans le passé. C'est dans l'unité qu'il doit trouver le moyen de mettre un terme à cette crise qui a trop duré. À l'instar des orateurs qui m'ont précédé dans leurs interventions, je suis content d'annoncer que ce matin, le Premier ministre Henry s'est réuni avec des représentants de la société civile, avec des membres, des représentants du secteur des affaires, des partis politiques,
pour finaliser et signer un consensus national pour une transition inclusive et former un haut conseil de la transition en vue d'aller dans le courant de l'année 2023 vers l'organisation de bonnes élections qui permettront au peuple haïtien de choisir librement les élus qui devront assumer la direction des affaires du pays. Moi te dis, gen moun pa ta jam reme nan situation ou ya, tan kou Victor Geneus. Mpa ta jam reme trouve m nan place monsieur. Parce que lò arrive nan situation kote se mande ou ap mande. Ou rive nan situation kote ke ou tan kou ti moun, tan kou la lò ap tande Victor Geneus k ap pale. Ou santi gen fierté? Son moun k ap mande. C'est comme si tu arrivé là ou dit voisin. Depuis matin, je ne vais manger. Ou bien voisin, je fais journée sans manger. Je fais 3 jours, je fais 4 jours sans manger. Gardez pour eux, même si son petit gratte, on t'a ban moins. C'est comme si c'est ça, je suis dit là, oui. Gardez pour eux, dans le coin de la caïwa. Si tu as quelque chose à manger ou pas besoin, ou te mets ton côté là, que tu peux jeter, ban moins li. Il y a moun pas remis dans la place, dans la situation là. Parce que à entendre parler Victor Geneus, ou senti, comme si, même dans sa labdi, il n'est pas convaincant. Comme si nous faisons vie, nous demandons tout le temps. Et ça que fait parfois, m'a demandé, côté fierté, nous. La fierté christophienne. La fierté de Salinienne. Elle est passée où, cette fierté? M'a demandé, côté haïtien qui te gagne. Haïtien qui te gagne, non, tout bon, yo, côté yo. Et nous arrivons dans une situation, nous ne pouvons pas nous faire. Moi, je dis dès le début, l'être haïtien de nos jours, haïtien de nos jours, nous ne pouvons pas nous faire. Nous ne pouvons pas identifier quelle est notre priorité. Nous ne pouvons pas identifier qui est notre priorité. Nous. Imaginez, notre situation de crise qui est là. Nous tous n'avons pas seul bagaille. Mes amis, il faut que tout le monde mette tête ensemble. Attendez le mot. Il faut que nous mettions tête nous ensemble. Et ça nous dit tout le temps. Kounya sou ki baz wap explique m. Mirlot Maniga accepte Chita. Parce que c'est sûr li te Chita avant, ou bien yon te Chita avec li avant yon consulte l. Avant yon mette non lan lis. Mirlot Maniga ta accepte pou le faire partie de yon conseil de transition. Mte donc paquet moun kap denonce sa. Kap di oh, Mirlot Maniga si l'ka Chita avec Martelly. Si le cachita ensemble avec Ariel Henry, ou mettre connait le sous corrompu même j'ai avec yo, ou mettre connait le plus mal passé yo. OK, bon côté me déca comprendre. Mais moi me dis non bagaille. Est-ce que deux moun qui ennemi pas cachita pour rejoindre une résolution? Est-ce que deux moun qui dans mes ententes, yo pas cachita pour rejoindre une entente? Ou bien yo pas doué chita? Est-ce que j'ai une situation y est là? Nous pas de mettre tête nous ensemble du tout pour nous chercher une solution. Nous connaissons nous même tout le temps qu'a dit mes amis, il faut mettre tête nous ensemble. Je paye aller là, côté bail là pour aller là, nous obligé mettre tête ensemble pour toute bagaille résoudre. Et puis qu'on a quoi mon accepter rentrer dans processus. Nous elle m'ray. Mais qu'est-ce que nous voulons exactement? Qu'est-ce que nous voulons faire même? Est-ce que n'attend ces bon Dieu qu'a descendre venir résoudre ça gain là pour nous comme crise? Est-ce que situation a fait face là? Est-ce que c'est un bon Dieu, son sauveur? Qui est ce Napton qui pouvait nous retirer nous la donne? Moi, je veux comprendre, ça m'a dit. Pas de monde vrai qui fait Ariel ou Tikal crédit sorti là à la. D'accord. Moi-même, tout le monde dans la même équipe à voir. Qui comprenne ni comme ça. Mais pour qui ça, tout le monde qui t'a devine paraître là, ou toujours un lame de critique, ou toujours un critique en bas, mais pour lui. Est-ce que nous pas doué chita? Comprenez bien ça me dit. Je dis là, si Jean-Bertrand Aristide, Joseph Michel Martelly, Mirland Hippolyte Maniga, si tout le monde ça vous me citer ça seulement, Moïse Jean-Charles, André Michel, Nenel Kassi, si tout le monde ça doué chita ensemble sur une table, y a discuté pour nous jouer une solution à Haïti que yo chita. Vous pas comprendre? Ça qu'a fait là c'est m'tande son affaire et transition et de manière inclusive. Si c'est le cas, que le fait si.
Vous ne comprenez pas? Voilà, ou presque pas besoin de qui est vrai qui la donne. L'essentiel, depuis des marches qu'a fait, où est pays la donne. Tout problème nous qu'on gagne. C'est parce que non, pile fois nèg yo fait des marches, en pile fois nèg yo a parlé, nèg yo a prôné consensus dialogue, ou pas j'aime moins pays la donne. Vrai, c'est parce que souvent ouais, nèg là c'est tête il a fait plaisir, nèg a fait ça la faire, son façon pour capable extérioriser tête li, son façon pour sortir tête li. Vous comprenez? Mais nous pas kaké mon position mordicus. Comme quoi nous pas de chita du tout, nous pas de chita avec personne. Là nous tout n'a dit pas de chita du tout avec Ariel Henry. Personne pas de chita avec lui, ça veut dire si n'a cherché solution avec une crise, et pas chita pour chita avec lui. Bon il même qui là. Elle même blanc là dans l'estomac ou là. Et pas avec pour négocier, et pas avec pour chita. Ça dérangeant hein. Ou un bon moun sou rezoa, qui tap dit oui, si madame Maniga choisit chita ensemble avec Ariel, ensemble avec Martelly, ou met connait son corrupteur tout même j'ai avec yo. Écoutez. Mba se fon mette un bémol. Se sérieux, fon mette yon bémol. Parce que je dis là, si nous entrons dans le processus d'exclusion sociale, moi n'a fait là, d'exclusion de classe, ou si nous entrons dans le processus ça, bon, d'ailleurs nous finis déjà. Mais c'est dans le niveau enterré à nous. Kounya, si je dis là, on est avec Aristide, ou t'as dit ou besoin expertise Aristide, faut qu'Aristide ta vin chita pour ta vin partager ensemble avec nous son expérience politique. Kou nou pral di li pa dwe fèl? Ou pral di c'est parce que Jean-Bertrand Aristide ça, moi en pile moun diabolise, moi même tout me diabolise. Jean-Bertrand Aristide, soit peut-être des réalisations Aristide. Ah, comprenez bien ça m'a dit là. Mwen gen moun la pral di m c'est la valas. Mwen gen moun la pral di m'a défendre Aristide. Tendez. Vérité a fond dil, fond bay li côté li a. Aristide sa mwen en pile nan nou a maltraité avec bouche nou. Se nèg an gade bilan. Ou nan bilan chef d'état passé là, bon c'est peut-être François Duvalier, m'pa on très ancien. Donc ça veut dire gen bagay m'pa konnen. C'est peut-être François Duvalier qui t'a capable gen plus réalisation pas Aristide. Ou pas obligé quoi? Mais son vérité. C'est un rare haïtien. Écoutez. Ça qui arrive, il y a plusieurs autres présidents qui fait. Et ou karale histoire ban mwen. Mais prouvez quand il y a plusieurs haïtiens, quand il y a plusieurs chefs d'État haïtiens qui fait plus bagaille parce que Aristide. Malgré tout ça, Aristide fait pays à comme mal. Malgré Jean Monsieur, il était armé, on sait de petits jeunes qui jodi en la tabal ban nou Arnel Joseph. Qui jodi en la tabal nou paquet nèg, conscient de ça et me comprendre ni. Et c'est une bagaille qui fait m'pape, j'aime pardonner Jean-Bertrand Aristide. Mais Aristide était un chef d'État haïtien qui fait qui gagne plus réalisation, qui gagne plus gros bilan. M'a dit c'est seul, m'dit était un. C'est un chef d'État qui gagne plus gros bilan, m'a répété encore. Bon au niveau éducatif là même de ça, il pas gagne pareil. En termes de monde qui construit l'école, marché public, place publique, j'ai battu Aristide pas gagne pareil. M'pa vann la personne d'Aristide. M'pa vann ou ni. D'ailleurs, sa fait yo, réalisation yo la. Ok? Et puis, la pièce pour nous penser, m'a lavé visage Aristide. N'a pas dit ça qui vrai ya. Est-ce qu'on pas conscient de samedi ya? Est-ce qu'on pas connaît? J'aime être Aristide, c'est président qui construit plus l'école en Haïti. Ou pas comprendre ça? Ou pas comprendre ça? Ou pas au courant de ça? Est-ce qu'on pas comprendre ça? Oui, c'est un nan moun vraiment qui vient avec question zam nan légaliser bandi. Là me dit légaliser, on dit bay bandi yon essor. Légalisation bandi a moun ki légaliser bandi a rele Joseph Michel Martelly. Ça pa gen doute la donne. On veut comprendre. Kounya jodi an la, j'ai bien Aristide da di okay, la mette orgueil de côté, la mette ego lio de côté, li pral chita ensemble avec Ariel Henry pour regarder pour qui ça ou capable faire pour la nation, pour regarder pour qui ça ou capable faire en faveur du pays. Kou nou pral jwenn nou paquet moun pral di, "Woy, yo achete Aristide. Aristide van nom ni. Yo achete l pour quelques feuilles d'eau là, pour quelques postes." Pile là nous c'est ça n'am di. Mais c'est petit pays là. Tout petit pays a rien droit pour chita. Quand ça va mal, pour nous tous nous chita, n'a pas cherché consensus, n'a pas essayé, n'a pas gardé pour nous, qui ça n'est capable de dire, qui ça n'est capable de faire parce que maman nous en danger. Faut nous penser avec ça.
Haïti c'est maman nous lié. S'il en danger, il est de notre responsabilité, il est de notre devoir pour nous chita ensemble, pour nous chercher une solution, pour nous trouver une solution. Nous pas de résigner tâche nous. Nous pas de résigner tâche là, ça veut dire responsabilité ou gagner ou doit prendre. C'est maman qui est en danger. Gros ami toujours dit ça. Esdras, je considère Haïti comme maman. Donc maman n'a problème. Maman pas qu'à nos problèmes, on va faire tout ça capable pour me retirer là-dedans. Tout haïtien doit penser comme ça, oui. Tout haïtien doit de ouais nécessité pour que lui retire Haïti ou bien participer activement dans ça qui là. Moi-même tout mon problème avec la personne d'Ariel Henry. Mon problème avec ça monsieur fait façon monsieur craser pays à puis plus dans l'espace 17 mois. Oui, mon dit tout problème ça. M'a pas quoi problème avec Ariel passé pour tout ça monsieur fait dans pays ça là. Mais n'a pas d'accord, si nous besoin solution nous obligé passer par lui. Nous obligé tendre elle, nous obligé chita avec lui, nous obligé chercher une solution avec elle. Nous obligé mandel qui ça qu'a fait, nous obligé passer par A plus B, on garder pour nous comment on a fait, comment on a retiré pays dans ça là. Nous obligé chercher une solution. C'est très important. M'bata mon prendre un piège ça. M'bata mon rentrer dans logique ça. Comme quoi aucun monde pas doit chita avec Ariel. M'ba mande faire corruption avec elle. M'ba dire chita avec elle pour quitter le corrompu. Si vous faites ça mêlé, ou avez même moi même vinn nan même micro ça là me dénoncer ou. Mais seconde démarche qu'a fait, son démarche pour retirer pays à côté là, son démarche pour nous joindre une solution avec crise nous gen là. Seconde démarche qu'a fait, démarche ça li visé à mettre Haïti sous rail. Pour ça vous ne pas d'accord, pendant nous tout n'a prôné Jean pays à il a pas bien marché. Là prend Monaco Montana yo. Qui en pile moun te bat gros bravo pour initiative yo te pou. Mais je dis là m'pa comprendre position moun sa yo. Moun akò moun tanan c'est comme si toute alternative, toute ça k'a essayer prendre là, toute initiative k'a prendre là, yo voye le jeter. Pa gen aucune initiative k'a prendre là moun akò moun tanan yo d'accord. Pour yo même anyen pa jambon. Alors que y'a forcé ou y'a imposé ou plan nan tête yo. Donc c'est ça yo gen, c'est eux même qui gen la science infuse là. Solution yon dan yon liye. Se yon même seulement qui détenteur de solution. Hein. Yon pas chita avec aucun groupe, aucun moun. Ça n'a pas de sens. Nan tout niveau conflit nou ya, nous oblige d'accord chita ensemble. Nous oblige accepter, choisir, nous oblige chercher yon alternative. On modus opiwendi. Et c'est ça qui a pu retirer une côté là. Si nous rete chita sous l'orier nous, nous tout nous rete dans limite F2X nous, nous mordicus pas gagné, puis a aucun monde parler avec nous, nous danser nous dandi, c'est pas nous même qui dans pouvoir, rien pas capable marcher, rien pas capable faire. Et puis même nous même ça, n'a dit nous voulons pour Haïti à changer, même nous même ça. Moi pour nous tout n'a dit nous gain l'amour pour Haïti et puis Haïti et puis mal la puis mal chaque jour, ma chaîne comprendre niveau l'amour pour cathédrale ça. Non c'est sérieux, sur l'amour plastique. On nous tout n'a dit nous remet pays a nous ta remet pays a sorti dans salier là et puis pa gen nou youn qui décide pour alter pour une initiative sérieuse pa gen nou youn qui décide prend en ligne kote l'amour ça sorti an gabe là non ndé kote ensemble avec ou ndé kote partager mon so parole avec ou j'aime toujours faire ça. OK channel là c'est Haïti réflexion zami qui avec ou c'est Esdras Fizembe mais vite on kounya la même et à partager vidéo nous yo. Partagez plus, bah nous yon ensemble de partage parce que faut que nous fait combit là pour travailler là capable avancer, faut que nous mettez dans pat là pour nous avancer correctement à travailler là, Jean le doit fait. Ou même si c'est première fois t'as fait route avec nous, t'as suivre nous. Quittez un like si vous t'aimez même. Yon partage, activez cloche notification, donc abonnez pour qu'à toujours être connecté et puis dans commentaire yo. Ba nou position qui sont pensées de situation pays à Jean pays après aller là. Est-ce que vous estimez le correct? Gardons mois de décembre. Ouais, je dis à combien? Je dis à 23 décembre. Gardez là oui Port-au-Prince. Gardez Tahiti, gardez zone yo. Ba quoi on haïtien non? Ab d'accord. Gardez état pays à là comme si pour le sentir fier. An goumen ensemble. An mette tête nous ensemble pour nous goumen pour nous retirer Haïti côté là. Bye bye tout le monde. N'ap croiser prochainement pour une autre vidéo.